Wolves asleep in midst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hawks and wraiths. Hop hop hop, ça y est, c'est parti, il y a le fielon qui est là, le fielon il s'appelle, putain mais... Eh, hey, trou du fielon, viens là. Vas-y. Oh, ah ouais, il m'a bien démonté là. Je sais pas du tout de quoi tuer le fielon et les autres monstres. On va déjà tuer le fielon. Ah, il me projette. Ah mais là, il faut carrément... j'ai besoin carrément de Quen. Hein. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher. Et ça commence direct. Hein. Hop là, esquive. Non, je veux pas qu'il me projette. Ah! Ça va que... Bon, Quen, franchement, ça m'est super utile dans ces conditions. Ou je le sens pas, il va me charger. Il va me charger. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me regarde comme ça? Arrête de me regarder! Écoute, tu n'es pas mon genre! Il m'a chargé, mais il arrête. What? Je vais taper dans le cul, il m'a... Oh, il m'a lâché une caisse, le mec! Ah, aïe, aïe, aïe! Attends, en plus, il me stun et tout, mais heureusement, il me projette. Oh putain, il y en a plein des morts, là. Je vais me retrouver tout seul face à lui, après je vais être dans la merde. Vas-y, vas-y, c'est le moment! Allez, 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 hop, derrière, derrière lui, ça lui fait mal. Bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est rien. Même pas mal. Oh, parfait, il s'est retourné. Il aurait pas dû... Aïe, aïe, aïe. Oh, mon épée, elle est cassée. Ah, c'est bon, il est mort. Il est mort, c'est parfait. Qu'est-ce que c'était? Un fielon. Tu t'as pas entendu? Ça ressemblait fort à un fielon. Les moires savent qu'on approche. Et ont envoyé la bête chercher Anna. Non, sans blague. On les a entendus, les moires. Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? Bah maintenant, elle veut faire pareil, mais avec nous. Regardez-la. Eh, si ça peut te rassurer, je la trouve plus jolie comme ça qu'avant. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle a été maudite, bah ouais, logique. La dernière fois, pas dans cet état. Les moires ont dû la maudire. Pouvez-vous lever cette malédiction? Pas tant que j'en ignore la nature. Ah, mais c'est bon, on va pouvoir le faire. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose. Bah les enfants. Il y a les enfants. Un homme, peut-être. Qui ça? Un garçon. Un ermite qui vit au marais. Il vient ici de temps à autre. Ouais, pourquoi pas. Il a pu voir quelque chose. Il faut le retrouver. Allons chercher Jeannot. Il n'aime pas les étrangers. Il faut que j'y aille seul. Restez ici. Ouais, il aime que Gérard. Hein. C'est le retour de l'équipe Jeannot et Gérard. Wow. T'as la classe, papy. Et putain, t'as survécu parce qu'il y en a qui sont morts. Hein. Oh non! Le mousquetaire, il est mort. Oh, pour lui. Bon, allez. Avançons, allons voir Jeannot. En espérant que je ne vais pas me faire envahir par des milliers de créatures. Aïe, j'avais pas vu. C'est pas grave, on passe par la fumée. Ah, des créatures, allez, c'est parti. Sur la clairière de Jeannot. Aïe aïe aïe. Oh, lâchez-moi, lâchez-moi. What? Putain, mais. Mais lâchez-moi! Je peux pas utiliser Quen. Non, eux ils veulent Jeannot, hein. Ils me veulent pas moi. Allez, viens là, petit noyau. Oh putain, mais je vois rien. Vas-y. Relou la guenade, hein. C'est pas possible. Ça, putain, sniper. Non, mais... Allez, viens là, viens là. Allez, hop là, esquive. On dirait les archers de Minecraft, quoi. Le truc, s'ils te voient, t'es sûr d'être touché. Hein. Putain, mais lâche-moi. Bon, lui, au moins, on s'en est occupé. Toute la guenade. Allez, hop là! What? Enfoiré.
Allez, ça y est, c'est parti. Je vais en faire qu'une bouchée. Elle est où? Bah, elle est dans l'eau. What? Je peux pas... What? What? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle attendait que je la tape. D'accord. Hop là. Allez, dans le dos. Allez, hop. Voilà, ça y est, c'est fini. Jeannot, tu peux sortir, je suis là. Jeannot. Jeannot. Jeanne, au secours. Jeannot. Jeannot. Et eu. Jeannot. Il n'est pas là. C'est Gérard. Chose cloche. Je devrais fouiller les environs, il se cache peut-être dans le coin. Ah non, crie plus fort, c'est tout. Oh, relou. Alors, les traces de pas ici. Des traces récentes. Jeannot a couru par là. Il fuyait quelque chose. Et pourquoi les créatures, elles attendaient devant sa tanière alors s'il fuyait? S'il y est plus. Là, les traces de pas nous mènent par là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? What the fuck? J'ai entendu un ours. Il est par là-bas. On va y aller discrètement. J'ai pas vraiment envie qu'il me repère. Où mènent les traces de pas? Putain, elles mènent vers là-bas. Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas un ours. C'est relativement difficile de regarder les traces de pas comme... Ah mais il est là, Jeannot. Bah alors, Jeannot? Bah il fallait me le dire, mon Jeannot. Jeannot, réveille-toi. Hein? Qui c'est? Oh, sorceleur. Il m'a fait peur. J'ai cru que c'était les guenaudes. J'en ai tué quelques-unes près de ton antre. Les moires. Non, il y en avait qu'une, en fait. Pour me punir. Les autres, c'était des noyeurs. Tu te rappelles la vieille folle qui s'occupait des enfants? Grand-mère? Bien sûr. Je l'ai trouvée au village des moires, transformée en monstre. Tu as une idée de ce qui s'est passé? Par mes gardes, grand-mère avait fait tomber les graines de pavot dans la cendre. Je suis allée l'aider à faire le tri. Mère Nature m'a dotée de petites mains, vois-tu, c'est pratique. On était ensemble à retirer les graines de la cendre, et là... Grand-mère s'est mise à hurler. La marque de sa main a été toute luisante. Elle m'a dit de me cacher. Je me suis glissée dans un coffre. Les moires arrivaient. Fusel a coupé une mèche de cheveux à grand-mère pour la punir d'avoir laissé les enfants filer. Puis, elles ont ouvert une trappe. Elles sont descendues. Ce bruit. Dommage qu'elle n'ait pas fini aux enfers. S'il faut à l'ours, il attend qu'on finisse la discussion, là, tranquille. Bah tu, vous savez quoi, je vais pas la finir, on va rester là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Rester dans le coffre jusqu'au départ des moires. C'était l'idée. Pas bouger, je me répétais. Pas bouger, ni regarder avant qu'elle parte. Ah si, il fallait regarder. Ma grand-mère s'est écroulée. Elle s'est mise à hurler et à s'arracher les cheveux. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai bondi hors du coffre. Les herbes auraient pu l'aider, celles qu'elle employait pour soigner les enfants. Mais grand-mère n'était plus elle-même. C'était devenu un monstre. Et tu lui as donné les herbes? Impossible. Les moires sont remontées. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés d'épargner grand-mère. Ambroisie a répondu. Méchant garçon, très méchant. On acquiesce quand c'est ce que souhaitent les sœurs. Et Soupir a ajouté. Cours, petit, cours avant que tes jambes racornissent. Elles ont ri de concert et j'ai détalé. Tu m'étonnes. Elles ont des noms assez spéciales, Soupir... Cette cave cache quelque chose. Je pense que c'est la clé pour comprendre ce qui est arrivé à grand-mère. Et puis moi je veux tuer les moires un peu. Ce n'est pas déjà trop tard. Merci Jeannot, et bonne chance à toi. Ouais ouais, merci. Et si tu tombes sur des guenaudes d'eau, colle-leur une peignée de ma part. Y a pas de souci, je ferai ça, même si c'est elle qui me colle des peignées depuis tout à l'heure, là. Elle me les balance. Il est où l'ours? Bah il a l'air assez loin. Mais c'est quoi? C'est pas un ours, ce truc? Sacré vent. Putain, on dirait un arbre qui bouge, quoi. Vas-y, je veux pas m'approcher. Je me barre.
Et non, vous ne saurez pas ce que c'était. Moi non plus. Ah, des guenaudes. Bon, je dois vous... Ah non, c'est pas des guenaudes. C'est juste des noyeurs. Juste des noyeurs qui sont en train de me défoncer parce que je suis coincé. Ok, je suis coincé. Non, mais putain d'arbres! Il y a trop d'arbres! Bon, on n'a rien vu, hein. Il ne s'est absolument rien passé. Je vais manger un peu de poisson séché et je vais aller plus là où il n'y a pas d'arbres, voilà. Attendez. Putain, c'est pas possible, ça y est, il me ramène vers les arbres. On va... Allez, l'attaque, c'est la meilleure des défenses, mais c'est pas possible. Je peux rien faire. Hop là, esquive. Allez, un de moi. Oh là là. Je peux rien faire. Hein. Ils sont vraiment trop rapides, ces noyeurs. Allez, hop là. Voilà. En un coup, j'en tue 3 alors que j'ai galéré contre 4. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est par là. Allez, courons. On retourne voir... l'antre pour tuer. Ah non, il faut informer les autres en fait. Et après, on ira dans l'antre. Brosse-toi les dents. Hein. Vous avez appris quelque chose? Oui, mais c'est ce que je redoutais. Les moires ont dû maudire votre mère. Elles lui ont coupé une mèche de cheveux, puis ont disparu par une porte dérobée qui mène à la cave. Bah allons-y, nous aussi. Il n'y a pas une minute à perdre. Venez. Je suis d'accord. Non, non, j'y vais pas seul. Je suis une grosse tafiole. Je trie si je trouve quelque chose d'intéressant. Entendu. Allons-y. Je crie, ouais. Ah, Gérald qui crie, tu sais. Ah, voilà. Alors, où est la porte? Bon, ça, on prend. 2-3 merdes à prendre. C'est ça, la porte dérobée? C'était par là. Hein. Amen. Ça, on avait déjà vu, on était déjà venu ici. Par le feu éternel, je n'en ai jamais vu autant. Ah ouais, quand même. Ce n'est pas beau à voir. Qu'est-ce que c'est? Bah, des poupées volées. Les indices d'un rituel de magie noire. Les sorcières maudissent des poupées dans lesquelles elles tissent des cheveux humains. C'est ainsi qu'elles s'emparent des âmes. Vous pensez que l'une des poupées représente Anna? L'identifier permettrait de la libérer? C'est le seul moyen que je connaisse. Un moyen risqué. Ces objets incorporés dans les poupées, vous les voyez? Non, bah, non, c'est très dur à voir. Que les poupées sont censées symboliser. Nous devons mettre la main sur la poupée d'Anna. Ah, à tous les coups, elle doit pas être... Ouais, c'est quoi le risque? À tous les coups, elle doit pas être par ici. Risqué. J'en déduis qu'il vaudrait mieux choisir la bonne poupée du premier coup. Pas question de m'y hasarder. Anna m'est inconnue, mais vous en savez long sur elle. Moi ? Vous saurez laquelle choisir. Mais pourquoi ? Mais vous êtes débile ! Il y a sa fille ! Sa fille, elle est pas loin ! Pourquoi c'est à moi de choisir ? Sérieusement ? Oh là là ! Qu'est-ce que j'en sais ? Pétale de rose. La poupée à l'oreille humaine. Non, la poupée à l'oreille humaine, c'est l'autre. Au pétale de rose, ça me fait penser à ce qu'il a dit le baron. Que elle aimait les roses. C'est peut-être ça. Plume d'oiseau, je vois pas le rapport. Et la perle rouge. Bon, c'est la plus flashy. Et... Oh là là, allez, je tente. Voilà qui est intéressant. Une poupée ornée d'une fleur. Je ne vois pas ce qu'il y a de si intéressant. Ce n'est pas n'importe quelle fleur. Il s'agit d'une rose trémière violette. Ah voilà, on est d'accord. La fleur préférée d'Anna, d'après le baron. C'est bien ce que je pensais. Mmh. Vous pensez que c'est la bonne poupée? Oui, je vais la prendre. J'en suis certain. À moins que ce soit un piège. Mais alors, elle serait vraiment fourbe, hein, ces sorcières.
Pete, sortons. Genre, on sort, on a entendu des loups, genre, vite, sortons. Et moi, je sors tranquillement. Ah, voici. Bah, ça a marché. Tout va bien se passer. Tamara, je me meurs. Elle délire, c'est tout. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu es faible. Il faut te reposer. Non. Écoute, les Moires... J'ai été condamnée à être leur chose, à jamais. Leur sort est brisé. Et maintenant, je dois partir. Comment ça, tu dois partir? C'est-à-dire que si le contrat est terminé, tu dois mourir? Les Moires se sont joués de nous. Leur malédiction est une condamnation à mort. Pas moyen de la lever sans tuer Anna. Nous avons brièvement rompu une partie du sort, mais... Nous ne pouvons pas l'interrompre totalement. Quoi ? Qu'est-ce que ça signifie ? Elle se meurt. Ah, bah elle est sûre de mourir. Bah, au moins, elle ne mourra pas en monstre. Hein. De vous voir réunis. Anna, je suis désolé. Pour tout, pardonne-moi. Mère, tu te souviens ? Cette journée, sur les berges de Lina. Bien sûr. Ces prunes sucrées, ta robe si bleue, la couronne de fleurs que tu m'avais tressée. Nous oh, ce drama, mon Dieu! S'il te plaît, garde cette image de moi. Non! Oh là là! C'est triste, c'est trop triste! Merci, sorceleur. Grâce à vous, elles ont pu se dire adieu. J'aurais ouais, de rien, mais moi je veux tuer les Moires là-haut! Qu'est-ce qu'elles font ? Venez, mon enfant. Le feu éternel apaisera vos tourments. Non, je crois pas. Va voir ton père. Retourne avec ton père. Allez, il a l'air cool, en fait. Laissez-moi il est redevenu seul. Cool. Venez chercher votre soldat père Chevreux. Compte sur moi, alors là... J'ai pas vraiment fait tout ça gratuitement. Hein. N'espère même ça pas. Les choses plus faciles à supporter. Le temps guérira. Laissez-moi seul. Oh là là, relou. Laissons-lui un moment. On peut lui marcher. Ah, oh, le mec aucun respect, vas-y. Regarde. Hop là, je lui marche sur la gueule. Allez hop. Le gars, il a plus aucun respect pour les morts, ça y est. Sorceleur. Ah d'accord, non je me casse. Non. C'est bon, j'en ai marre des créatures. Donc du coup, le marais c'est terminé. Hein. Il va falloir rentrer à la maison. Retourner voir le baron. Hop, voyage rapide. Père Chevreux, c'est où Père Chevreux? C'est où Père Chevreux? C'est là-bas. Il y a la flèche. Retournons à Père Chevreux, puisque c'est ce qu'il faut. Bon, c'était pas trop dur. Hein. J'ai pas eu trop de difficultés. À part pour les noyeurs, quoi. C'est vraiment les noyeurs qui m'ont posé problème, j'y crois pas. Ouais, les meilleures affaires, on s'en fout des meilleures affaires. Bon, est-ce que je te parle de mes affaires? Putain, j'ai de très belles affaires, tu sais. Allez, cours!
Je fatigue. Ah. Ah. Hop. Un coup de poing dans le vent. Un petit saut. Allez, on se dépêche. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, c'est ici. Le baron est ici. Ouah, cette amulette qui ne bouge pas du tout normalement. Ah, qui c'est qui s'est pendu? Oh, c'est pas le baron. Oh, si, c'est le baron. Oh, qu'est-ce qui oh s'est merde. Bah, ça crève les yeux. Il s'est pendu. Ah ouais, et ça choque personne. Tout seul? Ou vous lui avez donné un coup de main? Vous me prenez pour qui, bordel? Un meurtrier? C'est une enflure, pour sûr. Mais j'avais du respect pour lui. À choisir entre deux mots. Je préfère ne pas choisir du tout. Hélas, les enjeux sont souvent trop élevés pour ça. Parfois, du plus grand mal sort un bien, si modeste soit-il. En choisissant de sauver les orphelins du Marais, je ne pouvais pas savoir qu'Anna allait mourir. J'ignorais aussi que le baron, désemparé par la mort de sa femme, allait se pendre. Le plus souvent, on doit trancher et ne plus regarder en arrière. Tout ça, c'est de ma faute. Il a perdu tout ce qui lui était cher. Pas surprenant qu'il ait perdu la volonté de vivre. Merde! Vous ne semblez pas particulièrement chagriné, vos hommes et vous. Qu'est-ce que vous voudriez? Personne, en fait, même pas le village. Le baron était un bon soldat. Mais depuis qu'il s'était posé à Perchefreux, il s'était ramolli. On va instaurer un nouvel ordre ici. Tout va changer. J'imagine, oui. Et est-ce que quelqu'un pourra s'occuper de ma barbe, s'il vous plaît? Parce que ça commence à pousser. Désolé. C'est étonnant que la corde tienne, hein. Le mec, il reste pieds joints, genre normal, hein. Putain, mais est tordu en plus. La gravité ne fait pas bien les choses. Regardez. On dirait que le vent le pousse, mais il est tellement gros que le vent, il pourrait pas le pousser. C'est pas normal, c'est pas logique. Trouver un bateau pour aller à Skellige. Allez, c'est parti, nous allons partir à Skellige maintenant. Hein. Ça y est, tout ça est terminé. On gagne pas à tous les coups, même si rien n'empêche d'essayer. Quoi, qu'est-ce que je peux monter sur celui-là? Oh, il avait une belle selle. Bon, allez. Direction le bateau pour Skellige. Oh, au galop, Ablett. Ah ouais, mais déjà, dépasse la grille. Et donc, c'est ici, les bateaux. Regardez, ils sont beaux, hein, les bateaux. Hein. Et on va devoir parler à un capitaine. Tu peux voir? Ça, c'est capitaine femme. Capitaine femme, tu n'es pas... N'importe quoi, le mec. C'est capitaine flamme, hein. Et moi, je veux un mec, hein. Je suis complètement sexiste. Là, il y a un autre bateau. Pas de capitaine. Il n'y a pas de capitaine. Très bien. Un bateau sans capitaine. Allez hop, la petite roulade. Bon bah tant pis, on va aller voir la capitaine femme. Il y a de l'orage. C'est le bon moment pour prendre le bateau. Je le sens. Tel Ulysse, nous allons dévorer les mers de Poséidon. Et c'est sur ça que nous allons nous laisser. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ah ouais, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que c'est la fin de l'épisode? Hein? C'est ça que tu sais? Eh ben merci à tous de m'avoir regardé. Bisous à tous, bye bye!